Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Nous, par la même grâce, nous nous portons bien. Et nous voulons ce jour vous parler d'un petit sujet, c'est une exhortation pour vous inviter à entrer chaque fois dans l'esprit d'une chose. Et je vais intituler mon exhortation « Entrer dans l'esprit ». Il faut entrer dans l'esprit de quelque chose. Quand vous lisez par exemple la Bible, vous devez entrer dans l'esprit de la Bible, dans l'esprit du passage que vous êtes en train de lire. En toute chose, il faut vraiment entrer dans l'esprit pour en saisir le sens. C'est pourquoi je vais vous inviter à prendre votre Bible et à lire les Saintes Écritures. Nous allons lire d'abord dans Apocalypse, chapitre 1er, et là, nous lirons le 10e et le 11e verset. Nous lisons ceci. Ça, c'est Jean qui parle. « Je fus ravi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Ça, c'est le premier passage. Je prends le deuxième passage, c'est dans Éphésiens, chapitre 1er, et là, je lirai un seul verset, le 3e. Et qu'est-ce que nous lisons? « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Vous voyez que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. C'est que Dieu nous élève dans les lieux célestes et c'est là que nous sommes bénis. Alors, mon sujet, comme je l'ai dit, c'est entrer dans l'esprit. Nous devons entrer dans l'esprit d'une chose pour en saisir le sens. Quand nous disons que nous sommes au temps de la fin, nous savons que c'est que la Bible prédit du temps de la fin. Qu'est-ce qui doit arriver en ce temps de la fin? Nous devons entrer dans l'esprit pour comprendre c'est quoi. Par exemple, lorsque nous ouvrons la Bible dans 2 Timothée chapitre 3, qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? On nous parle du temps de la fin. Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3. Alors, vous voyez, on dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Vous voyez, quand nous voyons ces conditions du temps de la fin, quand nous voyons les temps difficiles en ce temps de la fin, quand vous voyez ces temps-là, la Bible nous recommande de nous éloigner, de quitter, de sortir de cette atmosphère, de sortir, de nous éloigner. Devons nous en éloigner. Et il faut entrer dans l'esprit. Quand vous voyez que vraiment, ce que nous voyons ici, c'est vraiment le temps de la fin, nous voyons comment les gens sont devenus méchants, ils sont devenus cruels, ils sont devenus blasphémateurs, ils sont devenus calomniateurs, les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Quand nous voyons des choses comme cela, la Bible nous recommande de nous éloigner de ça. Éloignons-nous de cette atmosphère. Si vous êtes un enfant, sors de cette atmosphère. Ne reste pas dans ce que c'est recommandé. Ce sont des temps difficiles, des temps de la fin. Alors, ici, le prophète Branham explique dans le livre de l'exposé de cet âge de l'Église, il dit ceci. Il explique cette écriture que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 1er, le 10e verset. Frère Branham dit, c'est à la page 43. Il dit ceci.
je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alors l'esprit, je fus ravi en esprit, être ravi en esprit. Vraiment, me dit, c'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence même de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en esprit, pour pouvoir vivre en chrétien, il faut être dans son esprit. Vous ne pouvez pas être un chrétien si vous n'êtes pas dans l'esprit de Christ, si vous n'êtes pas dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean ne racontait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Cela n'aurait pas produit ses visions. C'était forcément l'esprit de Dieu. De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Paul disait, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. Donc il faut, quand vous chantez, vous entrez dans l'atmosphère, vous entrez dans l'esprit de ce cantique, de ce chant-là. Je prierai par l'esprit, même quand vous priez. Vous ne devez pas voir votre pensée ailleurs. Maintenant, c'est le moment de la prière. Je vais m'adresser à mon Dieu, je vais lui parler, entrer dans l'esprit. Et ce que vous êtes en train de faire, entrer dans l'esprit de la prière. Vous êtes en train de parler à Dieu, soyez concentré pour parler à quelqu'un. Donc, il faut entrer dans l'esprit. Quand il faut prier, je prierai par l'esprit. Quand je dois chanter, je chanterai par l'esprit. Quand je dois vivre, je vivrai par l'esprit. Vraiment, me dit, si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'esprit et confirmé par la parole de Dieu et manifesté par les résultats que cela produira. Aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir ces formidables révélations directement de Jésus, nous avons aussi besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole pour que nous en vivions. C'est le même esprit. Donc Jean, pour avoir ces révélations, il est entré dans l'esprit. Et nous aussi, pour comprendre ce que ces révélations disaient, nous devons entrer dans l'esprit. Frère Branham a été dans l'atmosphère de la parole pour nous apporter ce message. Et nous aussi, pour en saisir le sens, pour saisir la vision du message, nous devons aussi entrer dans l'esprit. Et Frère Branham continue. Il nous dit, considérez donc ceci. Je vous donne un exemple. Beaucoup trop de gens lisent la Bible dans Actes chapitre 2, verset 38, où il est dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et les gens lisent et continuent sans s'arrêter. Il dit, ils ne le voient pas. S'ils le voyaient, s'ils entraient dans l'esprit de ce qu'ils lisent, ils sauraient que pour recevoir le Saint-Esprit, ils doivent se repentir et être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'alors, Dieu sera tenu d'accomplir sa parole et de les remplir du Saint-Esprit. Ils n'entrent pas dans son esprit, ils n'entrent pas du tout dans son esprit, sinon il le recevrait exactement comme la parole le dit, il recevrait le Saint-Esprit. Priez Dieu de vous donner une révélation par son esprit. C'est la première étape. Entrez dans l'esprit. Frère Branham nous donne un autre exemple. Le premier exemple là, c'est vous lisez quelque chose, mais vous n'entrez pas dans l'esprit. Quand vous lisez, il y a une recommandation qui est là. Répentez-vous d'abord, ensuite. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et le résultat, vous recevez. Le pardon de, vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, vous commencez directement à demander le Saint-Esprit sans être répandu, sans être baptisé. Vous ne recevez pas, vous n'êtes pas entré dans l'esprit de la chose. Il nous donne un autre exemple, il dit, je vais vous donner un autre exemple. Disons que vous avez besoin de la guérison. Qui dit la parole? La parole nous dit, nous l'avons tous lu, mais sans entrer dans l'esprit en lisant la chose. Avons-nous demandé à Dieu de nous enseigner par son esprit la vérité profonde de cela? Si oui, nous ferions venir les anciens, nous confesserions nos péchés et les anciens nous oindraient d'huile et prieraient pour nous. Et ce serait réglé. Vous comprenez? Parce que d'après la parole de Dieu, quand nous ouvrons la Bible dans Jacques, chapitre 5, qu'est-ce qui est dit là-bas? La parole de Dieu nous dit, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Voyez, je suis dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13.
Qu'est-ce qui est dit là-bas? Qu'est-ce que nous disons? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il les prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il les chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une plus grande efficacité. Alors vous comprenez? Donc c'est un autre exemple que Frère Madame vous donne, quelqu'un qui est malade. Si tu comprends ça, tu lis ça, tu entres dans l'esprit de la chose, tu vas avoir un ancien de l'église, si tu es malade, pour qu'il prie pour toi, et tu d'abord commences par te repentir et confesser tes péchés. Alors il continue s'il nous dit ça, il nous dit ceci. Si oui, nous ferions venir les anciens, nous confesserions nos péchés et les anciens nous oindraient d'huile et prieraient pour nous et ce serait réglé. Peut-être que cela ne se produirait pas tout de suite, mais dans son esprit, tout est terminé. C'est sans appel. Dieu accomplira sa parole. Oh, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit et alors les choses se produiront. Ne commencez pas par accomplir les actes. Entrez d'abord dans l'esprit, ensuite accomplissez les actes et vous verrez Dieu agir. Donc c'est très important d'entrer dans l'esprit, d'entrer dans l'atmosphère de la chose que vous faites. Il nous donne encore un autre exemple, Frère Branham. Il dit, avez-vous déjà remarqué comment le monde entre dans l'esprit des choses? Lorsqu'il y a par exemple un match de football, tout ça, vous voyez, tout le monde est dans l'esprit. Quand on veut marquer les buts, tout le monde est là. Si ça rate, oh, vous voyez. Donc les gens sont dans l'esprit. Les gens, donc, le match se joue peut-être en Europe, et d'autres sont devant leurs écrans, ils sont en train de suivre, et vous voyez qu'ils sont dans l'esprit de la chose. Ils crient comme s'ils étaient dans le stade. Donc c'est ça, en train de l'esprit. Et c'est Frère Baron qui nous donne cet exemple-là. Alors il nous dit aussi que beaucoup de gens ne sont pas en train dans l'esprit des choses du temps de la fin, de ce qui devait arriver au temps de la fin. Là, c'est dans un autre message. C'est dans le message, la guérison et ce que la maladie. Il avait prêché le 8 août 1950. Madame dit ceci. Au paragraphe 10 et 11, il dit, la guérison divine est à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui, si vous êtes malade, je donne ces exhortations parce que nous avons un problème, une pandémie, une maladie qui peut vous attraper. Alors vous devez y aller, vous devez entrer d'abord dans l'esprit, vous êtes un chrétien, rentrez en vous-même, lisez la parole, prenez une promesse de la Bible, entrez dans l'esprit de cela et demandez que l'on puisse vous prier pour vous. Alors il dit, la guérison divine est à la portée de tout le monde. Et tous ceux qui sont chrétiens ont le pouvoir de prier pour les malades. Vous voyez, c'est vrai. S'il y en a parmi vous qui êtes malades, appelez les anciens. Il dit, ce sont des diacres dans les églises. Vous voyez? Et puis, s'ils confessent leurs fautes les uns aux autres et prient les uns pour les autres, ça y est. Donc, Dieu doit agir. Vous comprenez? Et demander à n'importe quel homme, n'importe quelle personne, vous n'avez pas à attendre qu'un service de guérison se tienne dans la ville. Peut-être même le diacre peut être empêché. Peut-être le pasteur n'est pas tout prêt. Mais si vous savez que tel frère, c'est un frère, mon frère Jean, mon frère John, c'est un frère, c'est un croyant fervent. Ben, appelez-le. Il va prier pour vous avec foi. Et les signes doivent accompagner les croyants. Si c'est un croyant, des signes doivent l'accompagner. Il faut entrer dans l'esprit de la parole de Dieu. Ce n'est pas le programme de Dieu d'attendre seulement qu'il y ait un prédicateur ou bien un évangéliste qui vienne dans la ville. Non, non. Appelez un bon chrétien pour vous aider à prier jusqu'à ce que vous ayez la foi pour dans cette prière. C'est ça. C'est tout. Appelez votre pasteur. Il est là pour ça. Il viendra prier pour vous. S'il est un homme pieux, vous voyez? Il dit, et je crois bien entendu que tous les véritables ministres sont des hommes pieux. Ils sont tous des chrétiens, mais de nouveau. C'est ça que Frère Mam dit. C'est vrai, ce sont des hommes pieux. C'est vrai, et chacun d'eux a le plein pouvoir de prier. Eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées dans l'église pour stimuler la foi. Mais alors, quand je serai parti, Frère Branham parle de lui-même, quand je serai parti, la guérison divine ne s'en ira pas. Donc
Donc il nous montre que ce n'est pas lui qui avait le monopole de la guérison divine. Il avait un don de guérison, il devait prier pour, en tant que messager de l'âge, c'était la gerbe que Dieu a agitée. Mais dans les champs, il y a d'autres gerbes. Frère Branham n'est plus là. C'est que la guérison divine s'est arrêtée. Ça ne s'est pas arrêté. Lui-même fait cette déclaration solennelle. Il dit, quand je m'en serai allé, quand je partirai, quand je m'en irai, la guérison divine ne s'en ira pas. Vous voyez? Quand je serai parti, la guérison divine ne s'en ira pas. La guérison devait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous soyons venus, que nous ne venions ici. Voyez-vous, c'est là le but, amener la pensée des gens dans l'esprit des derniers jours. C'est pourquoi je vous parle, je vous amène, je vous amène dans l'esprit des derniers jours. Nous avons un message. Le message est venu restaurer la foi apostolique. Le message est venu produire des vrais chrétiens, des hommes, des femmes de foi. Donc, c'est cela. Donc, mon exhortation, je voudrais vraiment que nous rentrions. Il dit, nous sommes au dernier jour. Il pose la question, croyez-vous cela? Nous y sommes. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Nous voyons déjà la méchanceté, nous voyons toutes ces choses-là. Des calamités, ce sont des choses qui étaient promises pour le temps de la fin. Alors il dit, mais l'Église n'est pas encore entrée dans l'esprit des derniers jours. Voyez-vous? En d'autres termes, il ne peut pas, hein, il se peut que nous soyons trois points. Mais Dieu veut que nous et son Église soient donc dans l'esprit. Amen. C'est ce que Dieu veut. Donc nous devons entrer dans l'esprit. Si nous voulons produire des œuvres chrétiennes, entrons dans l'esprit. Si nous voulons mener une vie chrétienne, entrons dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Commencez par entrer dans l'atmosphère. Et vous allez entrer dans l'esprit de Christ. Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors vous allez agir comme un chrétien. C'est l'exhortation que je voulais vous donner. Frères et sœurs qui m'avez suivi, je vous invite à entrer dans l'esprit. Dans l'esprit de Christ, dans l'esprit de la parole, dans l'esprit du message. Si vous êtes chrétien, quand vous lisez la Bible, entrez dans cet esprit. Faites ce que la Bible vous recommande de faire. Shalom, nous arrêtons là-bas. Je vais prier. Seigneur Jésus, bénis cette exhortation que tes enfants puissent, au Père Tout-Puissant, chaque fois, entrer dans l'esprit pour produire les œuvres chrétiennes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.